je veux entendre la radio du ciel. 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 N'est que Jésus-Christ est vivant, habitant dans l'église élue, manifestant la parole de leur jour. Dieu est dans des êtres humains, exprimant sa propre parole, comme au temps de la Pentecôte. C'est ça, les informations du ciel. C'est ça, la radio du ciel. Oh, je veux entendre la radio du ciel. 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 Branche-moi sur la radio de la Bible. Arrête-toi sur la fréquence appelée Malachi 4. Mais ce grand journaliste qui a la colonne de feu sur sa tête, celui qui a visé tous les secrets d'Apocalypse 10, ce grand mystère venant d'un pays lointain. C'est ça les informations du ciel. C'est ça la radio du ciel. Je veux entendre 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 la radio du ciel. La radio qui émet des informations par des hommes mandatés par Dieu lui-même, les Éphésiens du 7e saut. Mais il y a des faux journalistes qui n'ont pas les bonnes informations. Ils n'ont pas la vision de l'heure, comme des dix espions qui doutaient de Josué et de Caleb. Ces grands journalistes qui apportèrent le raisin du pays, ces grands journalistes de l'ancien temps qui apportèrent le raisin du pays. Nous voulons des vraies informations publiées par des vrais journalistes, ceux qui ont rencontré l'ange de Dieu, les journalistes du troisième poule, ceux qui possèdent l'onction royale, nous révélant les promesses d'aujourd'hui. La parole faites chair, le
cabecinha de messi desejou. C'est ça, les informations du ciel. C'est ça, la radio du ciel. Où je vais entendre la radio du ciel. 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 Radio du ciel, je vais entendre la radio.